Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, la locomotive des émissions de buzz en Côte d'Ivoire, Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallet, la légende, en compagnie de la charmante et la célébrissime Yumi, la muse. Bonjour Défalé, comment vas-tu? Yumi, comment ça va? Très bien, et toi? Vêtu de tout blanc? Ouais, aujourd'hui c'est la pureté. La pureté. Ouais. J'espère qu'on aura ça sur le plateau. Hein. C'est important. Alors, nous allons passer maintenant à la présentation de notre invité. Suivez l'élément. Glao Ange Simon à l'état civil, connu sous le sobriquet de Turbo Glao ou Glao Young, dans les années 80 à 90, street dancer, danseur de rue à l'époque du funky disco breakdance, Nyama Nyama, Makossa, Bébé, etc. Il est reconnu en tant qu'artiste danseur professionnel en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Il vient nous en dire plus dans notre émission Fafa du jour. Bonjour Glao Turbo, bonjour. L'artiste. Bonjour Serge. Waouh! Merci de me recevoir sur ce magnifique plateau. Bienvenue en tout cas. C'est un plaisir. C'est mademoiselle Yumi. Je vous en prie. C'est un plaisir, c'est un honneur. Je suis content d'être là. Oui, mais attends, Glao, parce que est-ce que là déjà on va partir en arrière parce que c'est très important. D'accord. Aujourd'hui les Ivoiriens te voyaient comme ça, mais il y a une histoire derrière, une longue histoire. Oh, oui. Moi je me souviens, on était très jeune à l'époque. Tu commences, je vais dire, par le breakdance. Tout à fait. À l'époque. Ben oui, ça c'était la belle époque de, si on peut appeler ça comme ça, de la Côte d'Ivoire. Hein. Oui, Abidjan, des ABC, Abidjan, dans les années, Breakers. Si tu as été jeune dans les années 80, que tu as gazé Abidjan, que tu étais iré, cette époque-là jusqu'en 90, je pense que c'était la meilleure époque. Okay. Y a eu tout dans notre vie à cette époque. Bien sûr. On a connu tout ce qui est danse, on a connu tout ce qui est nyama nyama, on a connu tout ce qui est bagarre de rue, on a subi tout ça, on a vécu avec ça. Et à l'époque, il y avait beaucoup de concours de danse interquartier. Tout à fait. Où les gens allaient s'affronter dans les battles des quartiers. Tout à fait, tout à fait. Waouh, c'était une époque. Moi, je me souviens, nous on était un peu plus jeunes, on était petits, mais on voyait tout ça à distance avec nos grands frères et tout. Exactement. De l'époque. Alors, Yumi, notre invité, Glao, il est à la base, il fait partie des danseurs reconnus de la Côte d'Ivoire dès l'époque, avec le crew des Ike et tout ça, tu avais dansé avec pas mal de choses. Alors, Glao, aujourd'hui, comment t'es venu la passion pour ce métier? La danse, je pense que ça a été toujours dans mes gènes, hein, parce que ma mère était une très bonne danseuse à l'époque, donc je pense que je tirais ça de ma mère. Ok. Donc vous dansez dans le ventre de maman déjà, hein? Je suppose que oui. parce que c'est à cause de la danse que j'ai laissé les bancs. Je ne conseille pas aujourd'hui à la nouvelle génération de le faire. Je ne dis pas mes enfants dans ce sens, mais je veux dire, à cette époque, je ne pensais qu'à une seule chose, danser et danser. Et maman, elle dansait dans des troupes ou elle dansait? Oh non, maman, au village, je veux dire, village, tout ce qui est famille maternelle. La famille de mes oncles maternels, Diokwe. Précisément dans le village de Baoubli, où ma mère vient perdre son âme. Elle est partie depuis longtemps. Nous en sommes désolés. Voilà, donc ça, la génération, là, les oncles et tout, il y avait des danseuses, des porteurs de masques, il y avait toutes sortes de choses dans la famille maternelle. Donc je pense que je tire ça de là. Mais vous naissez. C'est vrai que vous êtes né d'une mère, on va dire, danseuse à la base, on va dire traditionnelle. Tout à fait. Mais vous-même, personnellement, votre histoire avec la danse, parce que vous êtes né, vous avez eu un parcours de jeunesse. Okay. Comment est venu cet amour, on va dire, renforcé pour la danse? Ben, écoutez, comme je le dis tantôt, Abidjan, d'abord, mon père était fonctionnaire, donc on était un peu à l'extérieur d'Abidjan. Voilà, à l'intérieur du pays, Voilà. Et après, quand j'ai fait mes études, je suis rentré sur Abidjan pour aller au collège. Et donc, à Trècheville, je fais le collège Voltaire de Trècheville. Hein, le collège le plus réputé, où il y avait vraiment toutes sortes de danseurs, de tout ce qui est voyousie en Côte d'Ivoire à cette époque. Donc, voilà, c'est là que j'étais. Et puis après, déjà, même à l'école primaire, je dansais. On me prenait déjà pour aller animer les voitures. tout ce qui est Oasis et tout ça. Nous, on moulait déjà à cette époque. Déjà, voilà. Et puis maintenant, je viens à Abidjan pour le collège. Ben écoute, mon père, il a attrapé déjà sa tête. Il s'est dit, bon, là, où il s'en va, là, c'est gâté. Et puis, voilà, c'est parti de là. Trècheville, on a commencé à rentrer dans les groupes de danse jusqu'à ce que, bon,
la suite, je pense que vous la connaissez. Sinon, l'histoire avec Variotoscope, si vous nous racontez un peu, je voudrais savoir. Ben oui, Variotoscope, comme je le dis, nous, on était déjà des danseurs de rue. En anglais, on dit les street dancers. Mm-hmm. Alors, à cette époque, donc breakdance, meuf, disco et tout. Et puis après, l'émission Variotoscope arrive. Donc, la génération que nous étions à cette époque-là, nous sommes tout de suite intéressés. Et on a commencé à danser de façon naturelle, c'est venu en nous. Et puis, tout est parti de là. On a commencé à être danseurs d'abord dans les années 85. Et puis après, on est devenu des coachs avec beaucoup de jeunes à cette époque que nous avons formés, qui sont aujourd'hui des artistes danseurs professionnels partout dans le monde. Donc voici un peu le début. Donc on fait d'abord on fait les ballets de rue, voilà. Ensuite on va à Variotoscope, et ensuite le ballet national. Oui. Est-ce que c'est à partir de Variotoscope que vous avez été pris dans le ballet national? Tout à fait, parce que cette génération de jeunes danseurs que nous étions, le ballet national avait ouvert les vannes, hein, comme on peut le dire, pour recruter des nouveaux danseurs, artistes danseurs, et donc on est allé faire l'audition. Et tout ça, donc c'est à partir de là que tout est parti, puis on a été retenu, et puis un ballet national, après le ballet de la Maraoué, ainsi de suite, voilà. Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des nouveaux pas des danses, justement du Variotoscope et tout ça, bien de en général, qu'est-ce que tu penses des... Je pense que les jeunes, écoutez, chaque génération a sa façon de danser, ça a évolué aujourd'hui, mais moi en tant qu'un ancien, quand j'ai aussi la jeunesse, je les encourage, mais la différence aujourd'hui de ce que nous on faisait à l'époque, c'est que, quand je le dis, quand je regarde un groupe de Variotoscope danser, je prends un exemple très simple, hein, un groupe de Benjavi quand il danse, et puis après je regarde un groupe de Makori quand il danse, j'ai du mal à savoir, parce que on retrouve un peu les mêmes choses, on les sent pas. Il n'y a aucune différence. Voilà, ça dit que les gens dansent de la même façon. Ouais, c'est dommage de le dire, je suis obligé de le dire, parce que nous, à l'époque, c'est-à-dire que quand on voit six groupes, on dit ouais, ce groupe-là est entraîné par Turbo Blao, ce groupe-là est entraîné par Kwame Tan. Ben, tu sens qu'il y a une différence. C'est-à-dire que il y a pas forcément beaucoup de chaque chorégraphe à ce temps avait son empreinte qu'il portait sur chez et les ballets étaient différents. C'est-à-dire que l'autre il va venir dessus, il va danser avec le ballet. Toi quand tu viens, il faut envoyer autre chose. Aujourd'hui quand quelqu'un vient avec le ballet, demain tu vois un autre groupe, il vient avec le même ballet. Donc je veux dire, c'est pas créatif. Danseur, voilà, pour moi, comparé à ma génération, elle est différente. Mais c'est des très très bons danseurs, ça. Je ne dis pas que c'est pas, mais je dis que nous, à notre génération, il y avait vraiment chaque coach avec son empreinte qu'il apportait, avec vraiment quelque chose de... Une touche, voilà. Donc, moi, par exemple, à l'époque, quand j'entraînais des groupes, je cite certains groupes, par exemple, qui ont marqué quand même cette génération, le Macharon de Jacquesville, qui était un groupe... C'est-à-dire, quand tu me connais, tu sais ma manière de danser, et que tu vois le Macharon danser, sans qu'on te dise que c'est moi qui les entraîne, tu sais automatiquement que c'est moi qui suis derrière. Parce que j'avais ma signature. Voilà, j'avais ma signature, j'avais une particularité de danse que je transmettais à ces jeunes danseurs. Donc, c'était un peu ça, là. Voilà. Alors, Glao, normalement, je pense que tu as réussi les médias, on va dire, tu as réussi les projecteurs sur les fonds des projecteurs. À un moment donné, quand tu commences, on va dire, ton cheminement avec Zike. Oui, Zike, quelqu'un que je connais, toute la Côte d'Ivoire connaît, qui ne connaît pas Zike. L'un qui était le porte flambeau de la danse qui a fait plaisir à feu au Faubourg et tous les autres présidents qui venaient en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Super danseur. Oui, écoute, on se connaît depuis longtemps et puis après, Zike, il part en France, il revient avec un concept, un son qui s'appelle le Niaise-Moule, une danse. Et donc le Juice avec son album à cette époque dans les années 90, donc tout de suite on va y revenir parce que là c'est vrai que cette partie est assez très 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 intéressante. On va y revenir, okay. Mais avant toute chose, je pense qu'on va tout d'abord présenter le clip de Glao, le Vougoudens. Regardez un peu l'impact et l'empreinte du danseur professionnel. Alors maintenant nous allons passer à la rubrique Zié dans Zié. Alors Glao. Yeah. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que Zike et toi, vous ne vous parlez pas?
Si et moi, on ne se parle pas, mais vous êtes allé ramasser tout ça. Mais écoutez, Zike, il est chez lui. Est vous chez êtes séparé en queue de poisson ben, à travers une tournée. Oh, bon, je ne dirais pas ça comme ça, vous savez. Mais tu disais ça comment? Parce que tu sais, les problèmes entre artistes, entre humains, les mésententes existent. Non, écoute. Tu ne me diras pas que vous êtes resté en odeur de sainteté durant tout. C'est pas non plus une histoire d'amour. Écoutez, voilà. Je dis, moi, donc vous m'avez posé la question, je prends la peine de répondre. D'accord. Voilà. Comme je le dis, vous savez, quand on est ami avec quelqu'un, d'accord. Voilà, on devient ami et après, quand ça ne marche pas, bon, chacun prend son chemin. Mm-hmm. Voilà, ça, c'est, je peux déjà dire ça comme ça, d'accord. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis. Okay. Voilà. Moi, je connais Zike, je côtoyé Zike, j'étais à Paris, j'étais à Orléans avec Zike, j'ai fait tout ce qui est le juice à l'époque, à la tournée en France. En France, ouais. Après ça, que je suis allé aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien. Okay. Alors, mais aux États-Unis, on va dire, pourquoi tu as dit aussi non, mais vas-y. Là, tu sais que je connais toutes les histoires. Non, mais Fafa, c'est une émission où on voilà. Dit. Mais on a l'impression qu'il ne veut pas parler. Je sais pas. Mais vas-y. Là où tu étais aux États-Unis. D'accord. Hein, ils t'ont appelé pour l'album de Zike qui devait sortir et vous deviez vous croiser à Abidjan ensemble. Tout à fait. C'est faux ou c'est vrai? Tout à fait. Voilà. Je suis venu à Abidjan. Et tu es venu à Abidjan. Mais Glaou, tu es venu à Abidjan, mais. Tu es venu à Abidjan, est-ce que tu avais réglé ta situation d'abord aux États-Unis côté documents avant de venir à Abidjan? Non, j'étais dans un processus de mariage. De mariage. Et puis je suis venu parce que je savais là où je partais. D'accord. Je savais qu'au pire des cas, j'avais les moyens de ma politique. De ta politique. À cette époque-là, de pouvoir retourner aux États-Unis, même si je n'avais pas les papiers. Parce que c'était juste une question de visa. Voilà. Maintenant. Donc, pour voir que vous avez là, le cœur que vous avez laissé là-bas, c'est vrai que vous avez dit qu'elle était prête à faire tout ça. J'ai pas compris la question. Vous êtes sur le point de vous marier. Oui. Ça, c'est un fait. D'accord. Vous êtes aussi sur le point de régulariser votre situation. Tout à fait. Bon, vous la laissez. Vous venez à Abidjan, vous vous dites que non, j'ai les moyens de ma politique. Elle vous a dit que son cœur, là, c'est un parti politique. Non, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec elle. Moi, j'ai un projet sur lequel j'ai été invité parce que je fais partie quand même de ceux qui ont propulsé la danse Niazmoul avec le album Le Juice. Sur le projet, c'était Jean-Marcel Tapé que j'ai salué. Qui était le producteur. Ça s'est passé en 96. Ouais. Donc, on m'invite et puis on me donne certaines garanties de retour, de venir à Abidjan parce que c'est un projet. L'artiste a besoin de ta présence. Il faut qu'on fasse, parce que c'est quand même des gens que j'ai côtoyés, que je connais, à qui j'ai fait confiance. Et puis, je suis venu tranquillement. Mais au-delà de cela, de mon arrivée à Abidjan, comme je t'ai dit, j'ai pesé le pour et le contre. Le pour, là, c'est elle, le contre, c'est ici. Ou bien le pour, c'est ici, le contre, c'est là-bas. Non, je veux dire, c'est pas ma venue ici qui freine mon projet de mariage. Parce que moi, il y a quand même quelque chose qui cloche dans cette histoire. Est-ce que tu n'as pas fait un choix démesuré? Franchement. Tu as ton choix, tu as ton mariage bientôt. Puis, c'est vrai qu'il y a le côté professionnel. Parce que c'est un choix. Oui. Ce que vous dites, je ne sais pas si on dit la même chose. D'accord. Moi, je n'avais pas prévu un mariage là. D'accord. Je savais que j'étais pas en situation régulière aux États-Unis. Ça, je le savais. Mm-hmm. Mais je me projetais dans les années à venir de régulariser ma situation. Mm-hmm. Voilà. Ouais, okay. Je n'avais pas encore choisi celle avec laquelle j'allais régulariser ma situation. Il n'avait pas encore choisi. Mais bien sûr. Ce qui veut dire qu'elle n'était pas seule. Parce que on se dit qu'on n'a pas encore choisi, ça veut dire qu'il y a plusieurs et il y a un choix à faire sur quelqu'un. Mais c'est normal, je veux dire. Donc il y avait une aux États-Unis. Franchement, voilà. Non, pas du tout. Forcément. Non, pas du tout. Ben forcément. Mais en France, je ne sais pas. Non, parce que je vois où vous voulez partir avec votre question. Non, va où? Moi, je dis, j'étais aux États-Unis, il fallait régulariser une situation. La situation peut se régulariser avec une femme avec qui tu sors, qui a les papiers, qui est peut-être elle-même américaine. Américaine, oui, bien qui peut sûr. Te donner les papiers. Aussi, ouais. Donc, ça peut être aussi une personne qui est américaine, qui a les papiers, ouais. que tu peux juste marier parce que. Arrangement. Les papiers. Voilà, donc, il y a tous ces facteurs-là. Mais je veux dire, moi, dans ma vie que je vivais à cette époque, je n'avais encore rien planifié dans ce sens. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, le fait que je vienne en Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec. Le fait que je ne suis pas marié ou bien quelqu'un m'attendait pour me marier. Je sais à cette époque aussi, vous n'avez pas vraiment... Mais est-ce que ce n'est pas tout ça qui vous a créé l'histoire entre toi et Zike? Parce que tu t'es dit que
Peut-être que c'est sur son projet que tu es venu après, ça a mélangé tes histoires des États-Unis. Non, pas du tout. Vous savez, ça est défalé, je te connais depuis. Moi, je vous ai dit, je vais revenir un peu en arrière. D'accord. Avant de rebondir sur ce que. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement, toi, et puis. Donc, c'est ça, je dis. Non, peut-être il y a eu un flagrant délit. J'ai dit, moi, t'as vu le son, là, donc. Flagrant délit. Non. Il a dû voir ce qu'il ne devait pas voir. Pas du tout. Vous savez, comme je disais tantôt, quand tu as gazé, quand tu étais hier dans les années 80, jusqu'en 90, ça dit que tu as fait tout, tu as suivi tout, quand on dit Abidjan était d'où là, c'était à cette époque-là. On a été bringueurs, on a tout fait. Sapeur. On nous a frappés, on a porté les vêtements. À cause des femmes. Non, parce que j'étais dans ce parcours des femmes. Ah bon? Eh bien, oui, vous n'avez même frappé à cause des femmes? Non, pas du tout. Ça, je vous garantis. Parce que, je vous explique. Mais vous avez frappé à cause des femmes? Non, pas du tout. Je suis même pas. Ceux qui me connaissent savent que moi, je suis un monsieur tranquille dans son coin. Vous allez demander à tout le monde si quelqu'un se lève son doigt pour dire j'ai eu problème avec là-haut parce que, c'est qu'il ne dit pas la vérité. Dans c'est moi plutôt avec ma grandeur de cœur, avec des amis. Parce que quand je dis que tu es mon ami, tu es mon ami. Je donne tout. Je donne tout. S'il y a les moyens qui t'ont. Même si tu dis que tu as un souci de 5 millions à l'époque, je l'ai fait. Je peux venir tout de suite décanter la situation. Pas parce que je cherche même à ce que tu me rembourses, mais parce que je sais que tu es mon ami. Donc c'est des choses. J'ai des témoins qui sont vivants. Donc quand tu as fait toute cette génération de 80 danseurs, on t'a frappé dans les quartiers, tu es en train de déciencer quelqu'un sur un podium de danse, on lance bouteille, tu as eu des amis qui étaient dans la drogue, dans la bagarre, qui ont fait nouchia, qui ont été gros bras. On a fait tout ça. Si, quand je sors de là sans une égratignure sur moi, ça veut dire que depuis longtemps, j'avais, comme on appelle, ma ligne de conduite de vie. Ligne de conduite de vie. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, parce que depuis cette époque, on ne m'a jamais convoqué dans un commissariat, ni dans une gendarmerie. Okay. Pour dire comment est-ce que je marche tranquillement. Alors, cette affaire de Ziké, je reviens là-dessus, parce que je vous ai dit, je suis irré. Mais tu es avec des amis, vous posez des actes. Tu fais confiance à des gens. Voilà, moi, je suis venu à Abidjan. Aujourd'hui, depuis 96, j'ai des témoins qui sont encore vivants. J'ai pas envie de citer les noms sur le plateau. Mais quand tu viens pour un projet dans lequel tu es neutre, c'est-à-dire on t'invite, viens faire ça parce que tu as commencé la danse, le niaise Moon a lancé. Mon second, qui est mon grand frère, moi, Daniel Papiper, à son âme, il est décédé en 94 quand j'étais encore aux États-Unis. Donc quand je viens et qu'on lance un mouvement où je m'investis mon temps, vous-même, vous l'avez dit, je laissais des choses. Quand je mets mon temps dedans, je prends des risques. Je viens, je mets mon argent dedans pour aider. Parce qu'on est resté pendant 4 mois quand même à Abidjan. C'est pas petit. Où les finances sortent de ma poche quand j'ai envie de faire quelque chose, quand on doit sortir, on fait ci, on fait ça. Où je prête de l'argent pour régler des situations. Quand je dis de l'argent, c'est une somme quand même importante. À l'époque, on te parle de 2 millions et demi, 3 millions pour régler un problème dans le projet dans lequel tu es, parce que tu fais confiance à des gens et qu'après, tout ce que vous êtes dit, on te tourne le dos. Voilà, c'est normal que c'est révoltant. Moi, à partir de là, j'ai compris qui est mon ami ici, qui n'est pas mon ami ici. Donc je me braque, ce qui est normal. Et je ne suis pas ennemi. Ces personnes ne sont pas mes ennemis. Mais je préfère éviter certaines personnes et puis vivre tranquillement comme je fais. C'est tout. Okay. D'accord. Vous avez à peu près de 40 ans de carrière dans ce domaine, on va dire, artistique, danse et chanson. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en avez bénéficié? Concrètement, écoutez... Je suis d'abord, comme je l'ai dit, je bénéficie parce que je suis parti de rien. C'est nous les studios danseurs à l'époque, avant de devenir artiste danseur, j'étais d'abord un studio danseur. Donc, quand je me professionnalise dans la chose avec le ballet national, le ballet à Maraoué, que je commence à voyager pour des spectacles partout dans le monde,
c'est bénéfique pour moi. Oui. Après cela... Et quand tu regardes là où tu viens... D'où tu viens, voilà. J'ai formé des artistes, danseurs professionnels aujourd'hui, qui enseignent la danse partout dans le monde, dans les universités aux États-Unis, partout en France, partout en Europe. Ça, c'est quelque chose de fort pour moi. C'est bénéfique pour moi. Ensuite, je pars en aventure, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, il y a des moments où ça marche pas. Bon, ça fait maintenant près de 15 ans maintenant que je suis en Afrique. Je suis rentré chez moi. Je suis installé, je suis en train de placer des activités pour les acteurs professionnels de la danse en Côte d'Ivoire. Donc, je suis toujours dans le domaine. Et il est arrivé un moment maintenant où il faut que je me lance dans la musique. Mais puis donc, voilà. Pourquoi 30 ans après, donc c'est maintenant que tu te lances dans la musique? Et parce que c'est le moment. Non, c'est le moment, mais vous voulez lutter avec la nouvelle génération? Pas du tout, c'est le moment. Mais pourquoi je veux lutter? La nouvelle génération, il y en a beaucoup, c'est nous. La nouvelle génération danse très bien. Parce que de toute façon, vous êtes venu avec votre concept là. On a l'impression que c'est une lutte. Écoutez, il va courir ton âme. Non, mais moi, je suis d'accord avec la nouvelle génération, puisque aujourd'hui, c'est eux qui sont là. Nous, on ne peut pas être aussi de côté. Il faut qu'on fasse quelque chose, mais pas pour les concurrencer. Vous avez vu le vougou. Quand vous regardez un peu, ou si vous avez suivi le clip, vous avez vu la façon dont le clip est conçu, la façon dont la danse se fait dans le clip. Bon, je pense que quand même, ça plaît à beaucoup de personnes. Ça plaît à celles qui partagent votre vie aujourd'hui? Malheureusement, aujourd'hui, je partage pas ma vie avec elle. Non, parce que je suis pas enfin, je suis en instance de divorce, donc je vis avec mes enfants. Donc, ce que mais ceux qui partagent votre vie actuellement? J'ai personne qui partage ma vie. Un homme aussi élégant que vous. Madame, écoutez. Si vous divorcez, c'est parce que le plan B est à côté? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dans ce froid qu'il fait en ce moment à Abidjan, il n'y a pas une qui partage votre poète? Non, pas du tout. Il y a des moments comme ça dans la vie où tu te mets la bague au doigt et puis après ça ne marche pas. Vous allez faire vœu de chasteté jusqu'à la prochaine cible, Écoutez, si c'est possible, on le fait et on le fera. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un dans le viseur. Pourquoi j'ai cette impression? Quelqu'un dans le... Non, pas du tout. Moi, je suis tranquille. Hein. Non, pas du tout. Moi, je ne m'emmerde pas et puis je n'aime pas qu'on m'emmerde. Et si Edoxie Yao te drague? Mais Edoxie Yao, c'est une femme qui est suivie par tout le monde. Pourquoi c'est éclair? Vous ne pouvez pas la soulever? Non, ça n'a rien à voir. Mais elle va vous étouffer. Non, je veux dire, c'est une dame qui est aimée par beaucoup de personnes. Moi, je ne m'aventure jamais sur ce genre de vie. Mais maintenant, il a soulevé des bouquets et puis il a déposé derrière. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense qu'à partir de ce moment, nous allons clôturer la rubrique Zier dans Zier. On va passer maintenant à la rubrique de Ogré. On dit quoi? Alors, tu viens avec une nouvelle danse, un nouveau concept, le Vougou Dance. Mais on a déjà vu DJ Jacob sortir ça avant toi. Est-ce que ça n'a pas créé une confusion de conception? Non, pas du tout. Pas du tout. DJ Jacob, c'est mon petit frère. DJ Jacob, je le connais depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Il était tout jeune quand je le rencontrais à Yopougon. Il nous suivait quand on dansait. Mm-hmm. Voilà, c'est mon petit frère. Il n'y a pas de souci. Le Vougou Dance, moi, je suis, comme vous le dites, je suis un artiste danseur d'abord. D'abord, à la base. Donc, moi, je m'amuse. Tu peux m'inviter dans une soirée. Je suis en train de danser. Je m'amuse parce que ce sont des pas. C'est des pas avec lesquels que je pratique depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est une danse que j'avais. Depuis, donc, quand je vois DJ Jacob, quand on tourne un peu, viens, peut-être ta danse, ça me plaît. Mon petit, prends, tu vas sortir le truc, c'est le bon goût. Mais sache que quand tu le sors après, je suis derrière, quand je vais venir, je vais fracasser. Mmh. Donc, voilà comment ça se passe. Il sort six mois après, moi, je viens, je fais le. Donc, c'est la même famille, c'est un peu comme le coupé décalé, non? Ouais, non voilà, l'autre fait, et puis après, l'autre vient, c'est. Aujourd'hui, si d'autres artistes veulent faire le Vougou, moi, ça me fait que plaisir. Ça fait plaisir, voilà. C'est tout. Dans le grain, on dit quoi aussi? Si les gens se posent la question de savoir, c'est vrai qu'à la base, vous êtes un grand, on va dire, vous êtes un prof de danse. D'accord. Pourquoi ne pas vous concentrer dessus pour venir chanter forcément? Vous savez... Les deux se combinent bien? Tout ce qui est danse est forcément lié à la musique. Donc, c'est quelque chose. Les gens même se sont dit, mais pourquoi tu attends? Je vous donne beaucoup d'exemples sont devenus des artistes. Voilà, je vais vous donner un exemple. La dernière fois, j'étais à une émission de radio où j'ai rencontré mon grand frère, Mewé. Et puis, je lui ai fait une dédicace de mon CD. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit, enfin, t'es décidé. Ouais, parce qu'il y a longtemps que les gens me voyaient le faire.
Mais vous savez, chacun a sa vie, chacun a ses réalités. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait quelque chose et qui vient gratter la tête. Quand je fais, je prends le temps de bien le faire. Parce que quand ce n'est pas bon, je ne le fais pas. Donc, j'ai pris le temps qu'il fallait. Aujourd'hui, le Vougou, toute la nouvelle génération, je les vois, ils dansent quand ils me voient, vieux père. Je sors le Vougou aujourd'hui, qui est un concept, qui est une danse, qui est un style de vie. Et qui parle de quoi, par exemple? Le Vougou, d'abord, c'est un pas de danse. OK. Que vous voyez dans le clip. Et ensuite, qui s'allie avec un style vestimentaire, parce que, bon, c'est des fallets, tu sais de quoi je parle. Et c'est le Vougou dance. Nous sommes les vieux pères. On a un état d'esprit depuis les années 80. On a commencé à porter les vêtements. Donc, il faut quand même être bien mis pardon pour pouvoir danser le Vougou. Et ensuite, derrière ça, c'est la résilience. Ça dit que c'est quelqu'un, ça fait partie de ma vie. D'accord. Donc, le Vougou dance, c'est pour dire. Quel que soit ce qui se passe dans la vie, n'abandonne jamais. Vous avez parlé des États-Unis, vous avez parlé de tous mes problèmes de vie. Il y a beaucoup de choses. C'est notre travail. Mais c'est ce que je dis. Mais je vous applaudis même pour ça. Voilà, je dis simplement avec tout ce dont on parle maintenant, tout ce que j'ai eu comme peut-être problème dans ma vie personnelle, je reviens, je fais le Vougou. Je lui dis que c'est ma vie, n'abandonne pas. Quel que soit ce qui se passe dans la vie, crois toujours à ce que tu fais. Mmh. Voilà, donc c'est une philosophie de vie, le Vougou dance. Le Vougou dance. Donc, et puis, c'est pas seulement ça. Vous, par exemple, vous êtes animatrice, voilà, vous faites bien vos travail. Merci. Donc, tous ceux qui font aussi bien leur boulot dans leur fonction, dans leur domaine d'activité, tout ça. Je les appelle les vougousseuses pour les dames et les vougousseurs pour les hommes. Voilà. Nous sommes des vougousseuses et des vougousseurs. Voilà. Une vougousseuse qui est ça là. Donc c'est un peu ça. Donc c'est la résilience. Il faut se battre, quel que soit ce qui va se passer dans la vie. Même quand on t'enterre, il faut toujours espérer. Parce que moi, ma vie a été faite des montagnes russes. De haut et des bas. C'est important. Et j'ai supporté, je suis encore vivant. Donc c'est ça qui est important. C'est la vie. Et sachez que je viens. Ma traversée a été difficile, ça je le dis, je viens d'une famille de 8 enfants, tout le monde est parti, on n'est resté que 2. Donc comprenez qu'il y a eu beaucoup de douleurs, de peines dans ma vie. Mais aujourd'hui encore, je suis debout, après plus de 50 ans, je suis encore là. Donc c'est un peu ça, c'est la résilience. En tout cas, on loue votre courage. Merci. Voilà, et votre persévérance. Et toujours dans le grain, il est question de, en tant que grand acteur d'art ivoirien et africain, qu'est-ce qui manque pour que vous soyez reconnu par l'État ivoirien? Je pense que l'État ivoirien, déjà, par le biais de la nouvelle ministre de la Culture, fait du bon boulot. Aujourd'hui, la danse en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais il y a encore beaucoup à faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, quand je vois un petit Abobo, qui est un excellent danseur et qui n'a pas de visibilité, ça me fait chaud au cœur. Donc nous, c'est pour ça que depuis 2-3 ans maintenant, j'ai mis en place une structure qui s'appelle Africa Drum Events, qui a produit le Vougou Dance, dont je suis le directeur général de cette structure. Donc nous nous battons pour mettre des projets sur pied, hein, dans lesquels nous allons faire la promotion des acteurs professionnels de la danse en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc avec des émissions de télé, avec des documentaires, tout ça va venir. Donc ça, c'est mon combat premier. Donc c'est ce que nous attendons. Aujourd'hui, on a fait le Vougou, on a cité le nom des ministres et tout ça. Aujourd'hui, on veut qu'on nous reçoive pour discuter de certains projets. Parce qu'il faut que la danse ait la place. Vous savez, je vous dis quelque chose, dans les années 80, nos vieux pères, là, les chanteurs, Père Sona, Enesso, Didi, quand on les enlève les yeux, là, c'est nous les moureux là, qui faisons mal à Abidjan. Ça veut dire que c'est nous, là, les gens, quand ils sortent dans la rue, on dit le voilà. C'était à cette belle époque. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne retrouve plus ça. Je ne dis pas qu'il faut forcément qu'on retrouve ça, mais il faut respecter ces acteurs professionnels de la danse. Et même, j'ai du mal. Souvent, je regarde la télévision et je vois des animateurs dire que c'est un danseur, c'est un lapsus. Quelqu'un qui fait comme métier la danse, c'est un artiste danseur. Au même titre que l'artiste chanteur, l'artiste peintre, l'artiste comédien. Voilà. Mais comme la danse n'est pas beaucoup respectée chez nous en Afrique, c'est ça qui fait la différence. Donc ça me fait mal au cœur. Aujourd'hui, nous nous battons pour pouvoir rehausser ce niveau-là. Tirer toute cette nouvelle génération de danseurs, d'artistes danseurs vers le haut
et puis enfin que... Alors, est-ce que tu comptes aussi encadrer des artistes dans la nouvelle génération, tels que les nouveaux danseurs de Biama, de Coupé Décalé, ouais. Voilà, tous ces... Quand on mettra nos premiers projets sur pied, toutes ces personnes et personnages seront forcément invités. L'Arsetu, c'est pour eux, nous l'avons créé pour eux, okay. Nous cherchons à nous installer, mettre sur pied notre premier projet, qui est d'abord une émission de télé. Mmh. Voilà, c'est ce que nous voulons faire d'abord. Alors, est-ce que tu as fait des collaborations avec des personnes comme de ton rang, comme Georges Momboy? Georges Momboy, je connais depuis Kwame Black Show. Depuis Kwame Black Show. Il dansait encore. Je le connais, nous sommes amis, on se rencontre de temps en temps. Malheureusement, je n'ai pas encore fait de collaboration. Depuis que je suis en Afrique, je suis très, très, très casanier, un peu solitaire là-bas. J'aime observer de loin. Et donc, quand ils ne m'invitent pas, je reste dans mon coin. Mais ils savent que je suis là et tout le monde, on s'appelle. Donc, je suis ouvert à tout. Tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer ce beau métier qu'est la danse. Voilà. Et c'est à ce moment que l'on referme la rubrique Au grain. On dit quoi ? On va poursuivre l'émission, Monsieur Glao. Moi, ce que je pourrais vous demander, c'est vrai que vous avez parlé de tout ce que vous avez comme projet, mais quelles sont les actions que vous-même vous menez vis-à-vis de ces autorités qui vous accompagnent dans votre processus? Oui, tout à fait. Merci. C'est une belle question. Depuis un moment, nous avons déposé des dossiers au niveau du ministère de la Culture, qui est notre ministère de la tutelle. Donc, nous attendons le retour parce que nous souhaitons rencontrer la ministre. Voilà, qui fait un excellent travail, comme je vous l'ai dit, afin de pouvoir programmer tout ce que nous essayons de faire sur pied pour réunir les danseurs et mettre sur pied nos différents projets. Donc voilà, on essaie de rencontrer les personnes adéquates pour pouvoir leur exposer nos différents projets et puis être accompagnés. Pour l'heure, nous attendons le retour du ministère afin d'être reçu par la ministre. Qu'est-ce que vous reteniez vous-même de votre parcours, de ces 50 ans de carrière que vous avez eu à mener? Ce que vous retenez de vous? Une fierté, parce que, avec les hauts et les bas que je vous ai expliqué tantôt, une fierté, je retiens que je suis sur terre, je suis là, je continue de vivre, j'ai essayé des choses qui ont marché, d'autres n'ont pas marché, je suis encore vivant, j'ai encore la force de créer d'autres choses. Donc, je continue mon petit bonhomme de chemin. Donc, je ne cherche pas à avoir des embrouilles avec qui que ce soit. Je ne cherche pas à avoir des clashs avec qui que ce soit. Je mène ma vie tranquillement. Je viens de sortir mon voodoo dance. Il y a déjà des gens qui aiment ça. C'est tout. Et puis, quand on se voit dans la rue, bonjour, bonsoir, moi, je suis tranquille. Alors, est-ce que c'est à refaire? Certaines choses, est-ce que tu as refaire? Non, pas du tout, parce qu'on était jeunes et fougueux à cette époque. C'est-à-dire à l'époque de la danse où tu rentrais dans la danse, c'est à refaire. Est-ce que tu... Oui, la danse, mais bien sûr, parce que la danse... Mais écoutez, aujourd'hui, vous avez parlé de Georges Momboy. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui... De quoi me blague, regardez où il est aujourd'hui. Mm-hmm. Et voilà, c'est un Ivoirien qui a dansé aujourd'hui, qui est parmi les meilleurs au monde. Donc, la danse est nourrie, ça dépend de comment tu commences. Et voilà. Et la dimension à laquelle tu arrives. Et puis les ouvertures que tu rencontres au fur et à mesure que tu es dans ce milieu. Sinon, elle nourrit son homme. Ça, il faut que je vous le dise. La danse nourrit son homme aujourd'hui. Voilà. C'est différent des époques précédentes. Non, depuis longtemps, elle nourrit son homme. Parce que la danse nourrit pas son homme. Parce que ceux qui dansent aujourd'hui, il y a des danseurs, ils se tuent, ils vont faire le roucascas, sauter, revenir. Comme bébé, ça se demande, ils tapent son dos au sol. Et puis, quand il finit, on lui donne 500 francs pour partir à la maison. Bon, d'accord. Vous voyez, justement, c'est de ça que toi, nous... Toi, tu te l'as donné 500 francs. C'est de ça que nous voulions parler dans tous nos projets de African Drum Events. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous cherchons à pouvoir aider cette génération de danseurs. Ouais. Nous, à l'époque, on dansait, c'est pas pour de l'argent. Parce que vous aimiez. C'était notre passion. Mais la vie a changé. Avant, on vivait. Le premier président, c'était Oufoué. Il y avait plus de facilité en Côte d'Ivoire. Uh-huh. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Donc, je veux dire, mais il faut canaliser tout ce monde. Et puis, il faut bien planifier des choses pour que demain, quand il va danser avec un artiste, on ne lui donne pas 500 francs. Vous voyez, ça me fait mal au cœur. Non, il n'a pas dit 500 francs. Non, c'est une façon de parler. Non, c'est une façon de parler. Elle parle de besoins de moi. Le cadavre, pas de trouver. Le cadavre. Moi, je veux dire, il faut
Donc, il faut que ça change. Il faut que ça change parce que moi, c'est vrai que je suis, comme je dis, il y a longtemps que je suis en Afrique. Il y a des jeunes artistes dans ce que je côtoie tous les jours qui viennent me voir, me disent ci, me disent ça. Donc, quand je regarde, je dis, bon, ce n'est pas normal qu'un artiste dans ce qui vit de son art, qui a femme et enfant à la maison, ou bien une femme qui a mari et enfant, se lève à aller faire une chorégraphie de 3 heures du temps. Mmh. Et puis, on lui tend un billet de 10 000 francs, ou bien on lui tend un billet de 10 000 francs pour qu'elle rentre chez elle. Moi, j'ai tout ça écœurant. Mmh. Mais pour que ça change, il faut qu'on mette des choses sur pied. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Voilà. Pour ce projet que vous êtes en train de mettre en place, Monsieur Glao, est-ce que vous, les deux icônes de la danse, des précurseurs de danse tels que Zike et vous, est-ce que vous ne pouvez pas vous réconcilier, ne faire que donner l'exemple aussi à la nouvelle génération pour mener à bien ce projet? Ben, écoutez... La caméra, elle est là, si vous voulez lui parler. Ah, d'accord, là. Oh, là, là. Non, mais il n'y a pas de réconciliation. Donc, voilà, appelez sur votre frère. Il n'y a pas de réconciliation, quelque part, entre Zike et moi. Et puis, je reviens vers vous. Ça dit que ce n'est pas seulement nous deux qui sommes les pilés. Il y en a beaucoup. Il y a eu les grands-pères, père à son âme. Il y a eu beaucoup de danseurs. Les Délès Débauchant. Il y en a beaucoup. Voilà, les dynasties. Voilà. Les gens sont encore vivants. Il y a pas de, quand tu es en guerre, en froid avec quelqu'un, seulement on fait une réconciliation. Je vous ai dit que moi, Zike et moi, ce qui s'est passé entre nous, moi, je dis, il est chez lui, je suis chez moi. Ça ne veut pas dire que si Zike rentre ici de suite, qu'il me dit bonjour, je vais refuser de le saluer. Si vous dites à tout, vous arrivez à toi. Mais bien sûr. Vous savez, dire à quelqu'un, je ne marche plus avec toi, ne veut pas dire que tu ne vas plus je lui adresser la parole. Non, puisqu'on a, on a des amis en commun. Je ne peux pas être assis avec Saïd Défalé aujourd'hui si Zike, qui est son vieux père, vient et puis il salue Saïd Défalé et je refuse de... Ça, ce n'est pas dans mon éducation. Mais je dis, aujourd'hui, depuis près de 25 ans, 30 ans, mes relations avec des amis, je choisis ceux qui sont bons pour moi. Parce qu'arrivé à un certain moment de ma vie, j'ai ouvert, comme on dit, et puis ils ont frappé dedans. Je ne parle pas de lui, je dis que j'ai eu beaucoup de coups. Tu généralises. Voilà, j'ai pris beaucoup de coups. Mais moi, ma question n'a pas encore été répondue. J'ai pris beaucoup de coups dans ma vie. Donc, il faut qu'aujourd'hui, je suis dans mon coin. Voilà, je m'intéresse à toi. Dès que je vois que c'est bizarre, je reste dans mon coin. C'est tout. Sinon, je n'ai aucun problème avec Zike. J'ai seulement depuis, et je vous donne la date, depuis les années 97, c'est vrai qu'on n'est plus en symbiose comme on était avant, parce que, comme on dit, l'eau a coulé sous le pont. Et aujourd'hui, chacun mène sa vie, mais sans regret, sans remords, il n'y a pas de problème. On va rien garder dans le cœur. Il y a des gens qui savent ça, qui sont encore vivants, qui sont à Abidjan, ils savent. Quand on se rencontre. Moi, c'est Zike, c'est mon vieux. Voilà, quand on se rencontre. En fait, je voulais arriver un peu une histoire. Une année, il est venu, on s'est rencontré dans une boîte de nuit de la place, mais même bon, à l'époque, j'avais un espace gastronomique. Il est venu les passer là-bas. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, Zike, que je salue au passage. Glando, on ensemble. Mon vieux Zike, big up aussi à Boni RS depuis Paris, du côté de Paris. Voilà quoi. Alors, donc, aujourd'hui, le Vougoudin s'est lancé. Est-ce que tu prépares encore un autre single on va dire, tu es en train de préparer un deuxième encore pour appuyer le premier Oui, tout à fait. Parce que c'est mon... Donc, c'est un album. Non, je ne suis pas de façon naturelle, je ne suis pas un chanteur. Puis dans ce single-là, j'ai été accompagné par les nouvelles que je salue. Aujourd'hui, les télés, vous qui êtes les patrons des télés, vous étiez en vacances, vous reprenez. Donc, essaie de faire les émissions comme on peut pour faire que ce son-là vraiment devienne un hit en Côte d'Ivoire. Okay. Bien sûr, le Vougou, c'est là-dedans, mais il aura forcément la suite du Vougou. Donc ça, c'est clair. Non, le Vougou, c'est une danse, on reste dans le Vougou. Maintenant, bon, on peut améliorer. Mm-hmm. Alors, Glao, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Quel est ton mot de fin pour tes fans, ceux qui t'apprécient, ceux qui t'ont vu danser dans le temps jusqu'à aujourd'hui, les anciens qui étaient sur la toile, par exemple, voilà, vous souvenez la vidéo du danseur en tout bleu dans un live Zouglou qui dansait, qui a fait le tour de la toile? Et eh ben, c'était Glao. Donc, tous ceux qui ont suivi ça, tous ceux qui apprécient, dis-nous quel est ton mot. Voilà, mon mot. Merci d'abord d'avoir reçu sur votre plateau. Okay. Voilà, et puis, je fais un coucou à tout le monde. Aujourd'hui, les gens me voient maintenant à la télévision parce que ça fait quand même
quand même longtemps. Ah. Et j'ai sorti mon single, Le Vougou Dance. Il y a des adeptes, j'ai des amis depuis les années 80 qui aiment bien s'habiller, donc qui aiment aussi faire le malin. Les Vougousseurs. Voilà, les Vougousseurs qui me suivent, les Vougousseuses. Donc bientôt, on va lancer la parade de Vougousseurs. La dédicace. Ah, okay. On va lancer une dédicace où on va chercher à recevoir au moins 500 personnes qui vont venir à cette dédicace, les Vougousseurs et Vougousseuses, les Bluffeurs, puis les Brailleurs, qui vont venir. Et puis après ça, on va voir comment ça va se passer, et ensuite on fera le second Vougou qui va sortir peut-être d'ici fin janvier ou fin février. Donc merci à vous et merci à tout le monde. Merci. Alors Yumi, notre émission tire maintenant à sa fin. Oui. Voilà, nous sommes, c'est allé très vite avec là-haut. Alors à l'époque, quand tu dansais, quand tu t'inscris danseur, tu te faisais appeler Glao Turbo. Aujourd'hui tu es devenu artiste chanteur. Est-ce que tu as gardé toujours le même nom? Non, depuis j'ai retiré le turbo. Le turbo, okay. Parce que tu sais, turbo, c'est un moteur. Ouais, c'est un moteur. Ça va vite. À l'époque, quand on dansait, on était jeune, euphorique. Donc, le nom turbo, je l'ai eu en 84. Et je fais toute ma vie de danseur avec ce nom. Mais arrivé à un certain moment, on a pris de l'âge, on a retiré le turbo. Et il y a le Glao Yang qui s'est agi. Donc aujourd'hui, c'est Monsieur Glao Yang. Pourquoi Yang? Il y a longtemps qu'on m'appelait déjà Yang, dans les années 90. Les sobriquets, on les prend comme ça et puis ça colle sur vous. Et depuis là, aujourd'hui, on m'appelait, après même, c'était mis Turbo Glao Yang. Après, donc j'ai retiré le turbo parce que on est plus jeune, on peut plus courir comme la nouvelle génération, quand vous le dites. Les besoins demandent beaucoup, hein. C'est pour ça. Maintenant, c'est Mr. Glao Yang. C'est ça. Donc, dames et messieurs, Mr. Glao Yang, nouvelle sortie, le Vougou Dance. Vous avez déjà vu le clip en rotation sur Ivoire TV Musique. Restez connectés à la bonne source. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Yumi, la muse. Merci à tous de nous suivre tous les samedis à 12h et on rediff les dimanches à 17h. Merci à Soko, merci à Santiago, merci à Clovis, à Olivier Junior, merci à Vera aussi et merci à toute cette équipe qui nous permet d'orchestrer votre émission Fafa. Et comme je l'ai dit toujours, croyez en vous jusqu'à la dernière des dernières secondes, il peut toujours se passer quelque chose.